Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais la première ligue et je vais vous présenter les résultats de la cinquième journée de ce championnat saison 2024-2025. On va revenir sur tous les matchs avec les scores des matchs. On verra le classement de la première ligue à l'issue de cette cinquième journée avec également le classement des meilleurs marqueurs, le classement des meilleurs passeurs et on terminera par le calendrier de la sixième journée avec les horaires des matchs et surtout euh, en rapport avec le classement des équipes qui s'affrontent. alors dans dans cette cinquième journée, les matchs ont commencé le samedi 21 septembre. Il y a eu West Ham contre Chelsea. Chelsea l'a emporté 3 buts à 0 à West Ham, une belle victoire à l'extérieur. Ensuite, Aston Villa a battu à domicile Wolverhampton 3 buts à 1. Fulham a battu à domicile Newcastle 3 à 1. Il y a eu un partout entre Leicester et Everton. Liverpool est reparti de l'avant en battant Bournemouth 3 buts à 0. Un partout entre Southampton et Ipswich. Tottenham a battu Brentford 3 buts à 1. Il y a eu 0-0 entre Crystal Palace et Manchester United. Les autres matchs du dimanche... Brighton a fait 2-2 contre Nottingham Forest. Et dans l'énorme choc entre Manchester City et Arsenal, il y a eu deux buts partout. Un match au bout du suspense où Manchester ou City a ouvert le score très rapidement par Allende. Ensuite, Arsenal a égalisé. Puis Arsenal a, a pris l'avantage. Il y a eu un jour expulsé juste avant la mi-temps côté Arsenal. En deuxième mi-temps, Arsenal a joué devant sa surface de réparation pendant 45 minutes. Il y avait 7 minutes d'arrêt de jeu. Et Manchester City a égalisé à la 97 e minute et quelques secondes pour revenir à deux partout. C'était incroyable comme intensité. Et donc deux équipes qui restent invaincues. On va voir le classement tout de suite. Alors le classement à l'issue de cette cinquième journée. Manchester City est toujours en tête avec 13 points en 5 matchs, donc quatre victoires un nul, aucune défaite, 13 buts pour 50 plus 8 de différence de buts, Ils ont un point d'avance sur Liverpool et Aston Villa qui tiennent le rythme. Les deux équipes ont gagné à domicile. Ensuite on a Arsenal quatrième avec 11 points, donc à 2 points de Manchester City. Puis on a Chelsea et Newcastle cinquième et sixième avec 10 points. Chelsea qui arrive enfin à être dans les premiers. C'est vrai qu'ils avaient du mal ces dernières années. Et là ils réalisent de, de très bons résultats. On a ensuite septième Brighton. Avec Nottingham Forest 9 points, 9e Fulham 8 points, Tottenham 10e avec Manchester United 7 points, 12e Brentford 6 points, 13e Bournemouth 5 points, 14e West Ham 4 points, 15e, 16e et euh, 17e Leicester, Crystal Palace et Switch avec 3 points. Ensuite on a 18e, 19e et 20e Execo, Sous-Anton, Everton et Wolverhampton avec 1 point. Alors, au classement des buteurs, bon, bah, Alain a marqué euh, son dixième but en 5 matchs. Il tourne à 2 buts de moyenne par match. Et il a marqué en plus euh, contre Arsenal. Un très beau but dès le début du match. Euh, C'est vrai qu'après, il y avait peu d'espace dans hein, la surface de réparation. C'était compliqué. Mais voilà. Liverpool, euh, Diaz en est à 5 buts en 5 matchs. Pour Aston Villa, Duran, 4 buts. Ensuite, Bemo de Brentford, 4 buts. Jackson de Chelsea, 4 buts. Et après, il y a plein de joueurs, 3-2 buts. Et puis ainsi de suite. Pour les meilleurs passeurs, on a Saka d'Arsenal avec 4 passes décisives. Palmer de Chelsea, 4. 4. Salad Liverpool avec 4 Après on tombe à 2 Il y en a 3 qui sont déjà détachés Après il y a plein de joueurs à 2 passes et 1 passe le calendrier de la sixième journée. Alors les matchs auront lieu pour les premiers le samedi 28 septembre et on aura un, à 13h30 un Newcastle contre Manchester City. Alors Newcastle c'est quand même le sixième de la première ligue contre Manchester City. Le premier Newcastle réalise un très bon début de saison. Ils sont à seulement 3 points de City au classement. Ensuite à 16h on aura un Nottingham Forest 8 8e contre Fulham le neuvième. Deux équipes de euh, pas très loin, non plus des places de Coupe d'Europe. Ensuite à 16h on aura Arsenal, donc le quatrième, qui recevra. LA Leicester le 15e, puis toujours à 16h Brentford le 12e contre West Ham le 14e, également à 16h Chelsea le 5e recevra Brighton le 7e, il y a un point d'écart entre les deux équipes, ça pourrait permettre à Chelsea de continuer à éventuellement rattraper euh, les équipes précédentes au classement, puis toujours à 16h le dernier match à 16h ce sera Everton le 19e contre Crystal Palace le 16e, Everton qui a besoin de prendre des points et à 18h30 le dernier match de la journée sera Wolverhampton le 20e et dernier qui recevra Liverpool le deuxième. donc ça va être compliqué pour Wolverhampton. Les matchs suivants ce sera le dimanche 29 septembre avec un Ipswich 17e qui recevra à 15h Aston Villa le troisième. puis à 17h30 on aura euh, pourquoi Manchester United premier non non Petite erreur, Manchester United, 11e, une erreur de chiffre, recevra Tottenham le 17e, euh, puis on aura Bournemouth euh, le lundi 30 septembre à 21h, Bournemouth le 13e qui recevra Southampton le 18e. Donc voilà les amis, ça annonce des euh, rencontres euh, très intéressantes et bien équilibrées avec euh, à noter le Newcastle-Manchester City qui va valoir son pesant d'or puisque Newcastle n'est qu'à trois points de Manchester City. On a aussi euh, Chelsea pardon, contre Brighton, le 5 e contre le 7 Et puis après des équipes comme Aston Villa, Liverpool et Arsenal euh, qui vont jouer contre des équipes au-delà de la 15e place. Donc... Voilà, on va voir ce que ça va donner, mais ça va annoncer encore beaucoup, beaucoup de spectacles. Donc voilà les amis, c'était la présentation des résultats du championnat d'Angleterre de Première Ligue, saison 2024-2025 et de la cinquième journée avec résultats et classement. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.